comment je réagis en fait quand les gens disent que les CPA sont plates? Ben, ça se peut, il y en a qui sont plates. Ça, c'est sûr. C'est comme dans n'importe quel métier, mais je pense que depuis plusieurs années, la profession s'est beaucoup évolué. Les gens sont dynamiques, les gens veulent relever des défis. Mon nom, c'est Jean-Michel Vanier. Je suis directeur des finances, je travaille aux fermes Lufa et je suis CPA. Les fermes Lufa ont vraiment révolutionné l'agriculture urbaine avec des serres qui sont construites sur des toits. On veut rendre accessible aux populations des aliments frais qui sont cultivés sans pesticides, insecticides, fongicides, sans hormones, sans antibiotiques. Des aliments vraiment pour nourrir les gens en ville et les banlieues. Mon rôle en tant que CPA va au-delà des chiffres. En fait, il n'y a pas une journée qui est pareille. C'est très rare. J'ai un rôle de conseiller auprès du président, auprès de la haute direction. Je suis la personne ressource. Je suis là en soutien pour la prise de décision, pour soutenir, fournir des analyses, fournir des conseils. Vraiment être dans le cœur de la stratégie de l'entreprise, en fait, pour être en mesure de prendre les bonnes décisions d'affaires. Je crois que la profession CPA nous prépare vraiment à être des excellents candidats pour aider la prise de décision stratégique en entreprise. Au niveau de la formation académique qui a été reçue depuis le début, on est vraiment préparé à affronter du stress, à affronter des défis, à affronter des deadlines. On est confortable, on est confiant, on sait ce qu'on peut faire et on va livrer la marchandise. C'est très, très enrichissant comme carrière, en fait, d'être au cœur de cette transformation-là avec des génies créatifs qui sont autour de soi pour améliorer le monde.